Vos cheveux, ils sont teints, mais vous faites des mèches? Oui. Oui, je fais des mèches blondes. Moi, j'aime bien ça, moi. Puis vous savez, alors, ce boulot, il faut toujours plaire. C'est épuisant, enfin. Musique. Allez, on va chanter. Non, 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 non. Vous êtes un petit peu lourd, là. C'est pas fou. Aucun Boeing sur mon transit. Vous sortez jamais dans ça? Pas dans ce genre de soirée, non? Aucun bateau sous mon transit. Bah, parce que c'est ringard. Ça va, on va pas parler musique. Écoutez, Marion, j'ai vraiment besoin que vous m'aidiez à trouver une maison. Moi, les chambres sont en haut. Puis si ça va pas, ben, on aura qu'à arrêter. Vous êtes avec Bruno? Ah, on travaille ensemble. Bruno a dû vous dire que j'avais pas les moyens d'Elton John. Oui, j'avais compris, oui. J'ai mon rhumatisme. Vous avez vu le jardin? Il va jusqu'au bout, jusqu'au champ d'en face. Qui devient gênant. Je vous ennuie? Alain, je me donne du mal pour vous trouver des endroits intéressants, vous faites aucun commentaire. Ma pauvre Cécile. Alors si c'est pas du tout ce que vous cherchez, faut me le dire, faut qu'on avance. J'ai 73 ans. Bon, vous l'avez vu la maison, elle vous plaît, vous plaît pas? Hein? Alors on y va. Elle m'a réveillé. Dans ma veste de soie rose. Vous êtes amoureux d'elle? De toute façon, ça se voit. Je déambule le monde. Vous êtes séparés? Et peut-être pas obligé de se raconter nos vies, non? Je sais pas. Vous comprenez? Oui. Le crépuscule est grandiose. Elle voit Bruno. Je sais. Je pourrais te péter la gueule aussi. Oui, c'est sûr. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Chaleur. Mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus.